Salutations YouTube! On se retrouve sur Monster Hunter World avec Akeller. Comment ça va Akeller? Tu vas bien? Ça veut dire qu'il va bien. On est en chasse du Diablos. Moi je l'ai trouvé. Perso j'ai un serpent dans ma botte. J'ai un gros serpent dans ma grosse botte. Incroyable. Il est en zone 8 alors? Bah il est où le coup? Il est au-dessus de la zone 12. Ouais, non, il est en zone 8, merci. Il est pas au même endroit que moi là. Bah, j'ai la cinématique. Bah, moi aussi, hein. Il y a la cinématique et des oiseaux. Ouais, des oiseaux, ouais. Ouais, au-dessus d'une montagne de terre. Bah, là, il y a un dinosaure avec. Une grosse casquette, ouais. Ouais, voilà. Ouais, dans le sable. Ouais, ouais. Ouais, bah on voit la même cinématique. Et là, t'as le Diablos que tu connais déjà normalement. Et là t'as plus de Diablos. Voilà, je suis dans le sable. On est bien. Tu me rejoins mon boy? Ouais, je te rejoins. Je sais pas si on peut. Je suis là. J'ai trouvé un insecte américain, quoi. Ah, t'es en dessous. Ouais, il a laissé le trou. Ouais, il y a one shot mon chat, gros. Ouais, j'ai vu. Il y a eu marqué un gros perdu sur ton chat, quoi. Regarde ma vie, mais. Ah, mais là, c'est une singerie. Voilà. Mais t'as mangé bah, ou ça quoi? Ça m'a fait la même chose. Ouais, j'ai mangé. Mais faut pas le sous-estimer, il est très fort. Hein. Non, c'est pas très fort, gros. Tu peux pas me relever. Ça m'a fait deux fois la même chose. Il a one shot mon chat, gros. C'est quoi cette connerie? T'as pris quoi comme bouffe en vrai? Bah, défense plus, PV plus, attaque plus. Salade tomate oignon, quoi. Elle fait tout ta bouffe. Ah ouais. Bah, elle fait 4 trucs. Endurance aussi. Elle met 25 PV, 25 dans le dur, les défenses et les attaques. Ça n'a aucun sens. Quoi, Clara? Bah voilà, super. C'est une catastrophe. Moi, ça va, je suis en train de bien le défoncer là. Ouah! Ouah, wow, le coup d'épaule qui a failli one shot par contre. Ah, fais pas la même strat que moi. C'est bien, toi, tu peux te relever vite. Ouah! T'as vu ma vie? Non, ou mais tout va bien, gros, dans ces dégâts.
Je pense que... Bah moi j'ai pas pris de défense plus, moi j'ai juste beaucoup de PV. Oh il est chiant en plus. Ouais il est chiant. Tiens sors de là mon boy. Non non, non sors pas de là, reste là mon boy. Il est stun, t'es là, destun toi quoi. Ah, c'est moi qui les stun. Non je veux dire dans les... dans le sable. Ah bah c'est moi qui les stun avec la bombe Sonic. Ah c'est toi. Pourtant, c'est grâce à toi qu'il était dans le, ouais, sable. Ouais ouais, c'est ça. En fait quand il est dans le sable je tire une bombe Sonic. Ah, et ça lui fait trop mal aux oreilles et du coup il sort et il se tourne en fait. Oh c'est trop bien là. Voilà je l'ai dégobé. Ah bah je viens mourir. Wow, regarde, regarde. Tu prends plus de dégâts que moi, hein. C'est une dinguerie par contre. Pourtant on a la même armure, ce qui est rigolo. Ah mais je vais t'expliquer gros. Je prends des one tap presque. Il va pas sur moi quand même. Ouais si il vient sur toi. Non mais c'est de ma gueule. Là il va sur toi, il va sur le plus loin à chaque fois. J'ai l'impression. Non il se barre. Hop là. Hop là. Hop là. Le minerai est à moi. Mais c'est rigolo en vrai le fait que j'ai même pas eu le temps de te rejoindre, t'étais déjà mort une fois quoi. T'as vraiment pas eu de chance. T'as réparé oh, avant de... d'aller le Tatakai là. Bah ouais, mais là, elle a presque rien pris de toute façon. En vrai, ça c'est bien parce que j'ai l'impression qu'avec le marteau, genre tu peux taper longtemps. Bon, en fait, c'est pas la raison parce que vu que je tape à 2,60 secondes, gros. Oui. Tous les 2 secondes, j'ai l'impression. Mais c'est ça qui est chiant avec les bobs comme ça. C'est qu'en fait, dès que tu commences à te faire Wobo Kobo, c'est fini. Mais il a sauté l'enculé. Surtout il stun vite j'ai l'impression le mec. Oh là là gros je l'ai. Oh là là. Ouais les dégâts que j'ai infligés là. Ça avait l'air pas mal ce que j'ai fait. Y'a un autre mob. Aïe. Non mais c'est des herbivores, ils vont pas se battre avec lui. C'est pour moi, gamme. Bah oui, t'es loin. Ah non, même pas, c'est pour mon chat. Wouah! Il vient vers toi, fais gaffe. Y'a des choses qui changent pas, hein. Peu importe le jeu, c'est toi qui es focus. Hein. Je lui mets un gros coup là. Je me soigne. Je charge. Essaye de l'amener là, en dessous de moi. Non mais t'inquiète, il va venir sur toi. De toute façon, il fait pas attention à moi. Moi, je suis assez tranquille hein, depuis le début du combat. Hein, et j'ai l'impression qu'il me voit pas. Ah, t'es cassé couille à gueuler. C'est peut-être mon arme sur toi. Qui attire plus la voilà gros, ma belle. Ah, on est bien là sur ta tête, hein. Allez, on a mon tour maintenant de t'apprendre. À moi. Voilà, dans ta grosse gueule. On s'est bien amusé nous deux, hein. Ah. Là, qui m'annule. Attention. Ok, il va se barrer. Là, tu fuis maintenant, hein. Regarde bien, j'arrive. Attends-moi. J'ai pas fait gaffe s'il était dans le rouge ou pas. Il boite. Non, mais je veux dire, sur la mini-carte. Non, il est jaune.
Non mais ça c'est nul que ça t'addicte, moi j'aimerais bien que ça addicte pas genre. Que toi tu peux prendre la confiance et en fait à la fin tu te fais surprendre. Bah c'est plus pour la capture, là il peut... Là tu vois en rouge il peut être capturé. Non mais... Ouais bah je crois que t'as un truc pour l'aggro hein, comme l'autre jeu quoi. L'autre jeu t'avais un truc pour l'aggro mais on l'a vu à la fin. Ouais l'autre jeu ouais on l'a vu mais là non. Ouais mais on va le voir à la fin comme l'autre. Plus que les autres. Mais c'est une dinguerie parce que regarde moi il me fait pas attention. Hein. Du coup moi ça rend mon gameplay assez simple hein, vu que juste je pourrai pas le monstre quoi. Il se rebarre là. Ouais il se rebarre. Oh non mais il est chiant. Bah il est parti dormir quoi. Ok je vais lui mettre l'attaque chargée là. Oh j'ai eu un truc rare. Un cristal de lumière. Ouais. Ok. Il est pas ouf au final. Regarde. Charge fort. Hein. Elle a pris une explosion directe. Tu lui as mis combien j'ai mis en charge. Bah normalement c'est doublé gros. Combien 436 j'y mets avec ma... Oh quand oui. Je l'ai chargé là. Bah avec l'explosion hein. Ouais, sinon c'est 300 bah c'est ouf quand même hein. Même c'est long hein, c'est parce que tu te rends pas compte. Genre en combat quand les mobs ils bougent beaucoup Alors que tu vois bah, moi avec doublé bah c'est 20 points de dégâts tu vois. Du coup c'est tellement mieux ouais, que ce soit toi qui la réveille quoi. Ah ouais ça oui. Bah je tape aussi fort qu'une bombe quoi quand c'est ça. Mais en fait regarde faut que je fasse ça. Attends je regarde. Attends quoi, je vais te montrer. Genre faut que je fasse 1, 2, 3. Je me mets en rouge. Tu vois j'allais au marteau. 1, 2, 3 et là je lâche. Et seulement. Et tu vois comment c'est long. Oui j'ai vu. Genre mais c'est... je connais déjà l'arme. T'as déjà joué avec ça? Oui. Ah ok. La première fois que j'ai joué à Monster Hunter, j'ai testé toutes les armes. Anecdote. Et c'est là que j'ai choisi mon arme. Après le marteau c'est pas... C'est bien mais genre pour toi c'est trop long. Toi tu vois à la limite ça serait grande épée et encore. De toute toutes les armes au corps à corps c'est les plus dures. Bah ouais, j'ai aussi l'impression de toujours être focus. L'ancien qui vient nous donner une leçon là. Un peu de silence, je vous prie. Pas une vraie cinématique. Pas un vrai dialogue. Les efforts soutenus de la cinquième nous ont permis d'apprendre un certain nombre de choses. Le Zora Magdaros se dirigerait vers la rivière éternelle. En mourant, il laissera échapper toute la bioénergie qu'il aura accumulée. Malheureusement, la rivière éternelle traverse la totalité du Nouveau Monde. Si le Zora meurt dans la rivière éternelle, l'énergie libérée réduira tout en cendres. Commandant, la commission devrait se préparer à évacuer immédiatement. Je vais dire à ma sœur de préparer son dirigeable. Il est déjà trop tard. Nous n'avons pas d'autre choix que d'abattre le Zora Magdaros. Quoi? Nous faire rayer de la carte est précisément ce que nous cherchons. Exact. Et nous sommes ici pour étudier le rôle de cette bête dans l'écosystème. Et non pour la faire disparaître. J'ai peut-être une solution. Et si on essayait de la tirer loin de la rivière éternelle? La tirer? Oui, commandant. J'ai fait mes recherches. La rivière est forcément connectée à l'océan, non? Donc, si on réussit à attirer le Zora Magdaros vers la mer... Nous pourrons atténuer les effets de l'explosion. La bioénergie ainsi libérée créera un nouvel écosystème marin et le Nouveau Monde sera sauvé. Permettez-moi de vous rappeler que nos tentatives pour le capturer nous ont coûté énormément de matériel. Et même si nous avions le nécessaire, quel genre d'arme pourrait réussir à... Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Le meilleur plan.
C'est bien ce à quoi je pense. Oh oh, on passe enfin aux choses sérieuses. On peut dire que tu as pris ton temps, capitaine. Mais nous sommes ravis de te voir. Je vous apporte tout ce dont vous aurez besoin. Balistes, boulets de canon et une montagne de matériel. Sans oublier une petite surprise. La guilde nous a fourni un sacré vaisseau. Il est équipé d'un Dragonator, le dernier cri en matière d'armes anti-dragon ancien. Excellent. C'est exactement l'arme qu'il nous faut pour pousser le Zora Magdaros vers le large. Chasseurs, l'heure est venue. Terminez vos préparatifs et rendez-vous au plus vite à la rivière éternelle. Je vous expliquerai tout une fois sur place. Nous pouvons y arriver. Nous deux, que l'étoile de Saphir soit avec vous. En route! L'heure est venue pour nous tous de faire nos adieux aux Zora Magdaros. Écoute-moi. Que l'étoile de Saphir soit avec toi. Il a posé une quête. Il a posé un classique aux toilettes. Tu peux pas la faire. Ça c'est bien aussi quoi, tu fais des quêtes, tu peux pas les faire avec les gens. Bon, faut que j'aille parler à mon assistante du coup. Bah du coup on fait pareil hein, je te rejoins. Attends, une belle cinématique là. Bien clair. Ah ça y est, on passe en RC+, quoi, les vraies quêtes. Ils sont pas qui filment sur la télé. Très bien. Voilà comment nous allons procéder. Le Zora Magdaros se déplace à l'aide de ses galeries souterraines. Il passera ici d'un moment à l'autre. Si on le laisse filer, il nous échappera définitivement. C'est pourquoi nous sortons l'artillerie lourde. Voici le Dragonator. Nous l'utiliserons pour forcer le Zora à se diriger vers la mer. Il nous foncera dessus à toute vitesse. Vous devez donc le fatiguer et contrôler sa trajectoire. Soyez implacable. C'est bien compris ? Oui. Autre chose. Attendez-vous à ce que le Nergigante soit encore de la partie. S'il nous gêne, arrêtez-le à tout prix. Je l'avais totalement oublié, le Nergigante. L'opération repose sur vos épaules. Je compte sur vous. Pars en éclaireur et préviens-nous dès qu'il arrive. Je pense que tu vas bien aimer la prochaine phase de jeu.
Bah je joue là moi. Non, je parle de la prochaine phase. Il est déjà là. Avec les gros monstres qui vont arriver. Les monstres vraiment balèzes. Pour l'instant c'est gentillet, tu vois, les monstres. Mais à un moment donné, t'as 5 ou 6 monstres qui pop et là ça rigole plus. Ils sont vraiment énervés. Nous devons affaiblir le Zoramagdaros au maximum. Une fois sur son dos, attaquez-le de toutes vos forces. Même si on a deux que tu connais déjà, et tu les as affrontés dans Rise. Et ils étaient plus faibles dans Rise. C'était limite choquant à quel point ils étaient faibles. On a placé des charges de poudre à canon sur les stalactites. Ouais, j'ai un monstre préféré dans ce jeu. C'est lequel? C'est le Zinagros. Okay. Celui électrique là. Ah oui, celui qu'on a qui va super vite. Rise. Bah, c'est mon monstre préféré dans Monster Hunter. J'aime bien aussi, j'ai bien beaucoup aimé son armure moi. Et puis toujours c'est mon préféré. Je trouve beau, nerveux, atypique. Moi j'ai beaucoup aimé le violet. Tu vois le monstre violet? J'ai oublié son nom. Il était stylé aussi lui. Lui j'ai bien aimé. Lui aussi, il était stylé. Son armure je la trouvais très belle aussi. Je te rejoins du coup. Hein. Sinon dans ce jeu, j'en ai pas vraiment de préféré dans ce jeu. J'aurais pu dire le Kirin, mais il m'a tellement défoncé le cul que je le déteste. Je ressens que de la haine envers lui. Je vais en tout cas, ce qui est pratique là, c'est qu'en tapant les trucs qui bougent pas, eh ben je vois les combos par exemple que je peux faire. Et par exemple, juste en glissant, si je lâche, c'est comme ça que je fais un tourbillon en fait. Je savais pas. Mais en gros, c'est comme ça que tu fais un tourbillon. Après, tu pourrais tester dans l'aire d'entraînement, tu sais, t'en as une dans le jeu aussi. Ouais, bah je sais, c'est comme dans Monster Hunter Rise. Ouais. J'arrive, hein, j'ai bouffé. Normalement, j'ai mis que deux personnes. Ouais, j'ai vu. Bon, après, ça change rien tant que tu fais pas la fusée. C'est la fusée qui peut attirer des gens. Comme dans notre session, on est que deux, bah, il risque pas d'avoir des gens qui y débarquent. Montre-moi ce que tu vaux. Y'a ton chat qui t'attend quoi à l'entrée là. Il est en mode dépressif ton chat. Ah, j'ai laissé la phase de gameplay où je quitte la quête. Désolé YouTube. J'espère que le moment était quand même agréable. D'habitude je le coupe, mais là j'y ai pas pensé. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas, j'explore, je me balade. D'accord, ça c'est un monstre. Il faut à tout prix l'empêcher de libérer son énergie. Ouais, on est dessus. Cœur de magma localisé. Oh, il est énorme. Comme ma queue, car... T'es mort. Quoi? Regarde. Wesh. Bah, j'ai pris un one tabou, pour de vrai. Non, j'ai vu tes PV, t'étais pas assez. T'es pas full? Non. C'est le cri qui t'a fait tomber, ça t'a fait des dégâts. Ah ouais, bah c'est ça alors. Moi ça m'a enlevé la moitié de mes PV, t'étais à la moitié de tes PV à peu près quand t'es mort. Après tu pouvais pas deviner qu'un cri allait te défoncer quoi. Je sais pas s'il est cassé ce truc là. Ouais, il est cassé, c'est celui-là qui est mort. C'est celui avec un petit point rouge là. Ouais, c'est celui tout en haut qui manque. Ok. Très bien, les harpons sont prêts. Je peux monter là. Bien joué. Quand tu fais croix, tu peux utiliser ton grappin pour monter un peu plus ouais, vite. Ouais, je sais. Je pense que c'est à utiliser l'endurance.
Oui, mais bon, autant s'en servir. Hein. Elle est là pour ça, quoi. Quoi ? Attendez ! Restez sur vos gardes. Le Nergigante passe à l'attaque. Évidemment. Chasseur, tenez-vous prêt à l'intercepter. Ah, un peu déçu, je t'avoue. J'ai tout mis. Lui, il est vraiment fort. Hein. Non, t'as cassé le truc en haut ? Non. Bah il non, mais bien. Il faut affronter le Nergigante là. Perdre. Pourquoi faire? Parce qu'on va perdre. Bah, trop loin. Hein. Y a pas de timer. Hein. Si y a un timer, il avance le mob. Ah oui oui. Peu importe. Chasseur, une Maïbou qui a pas de timer. Il faut repousser le nerf. Je pense que je vais aller m'occuper. Je vais aller m'occuper de la bestiole. Oh, je vais t'accompagner. Attention à ne pas tomber. Que le nerf gigante, il est fort. Hein. Si tu vas tout seul, ça va être complexe. Mais qu'est-ce qui se passe? Redresse. Courage, chasseur! Vous devez repousser le nerf gigante! Allez! Alors, faut que je trouve où aller là. C'est pas par là? Je te fais confiance. Non, là tu rentres au début. Ça doit être par là. Je crois que je suis au bon endroit. Pas sûr, hein, mais... Ouais, c'est le bon endroit, là où je suis. Allez. En fait, il y avait plein de piliers à péter sur les côtés, on n'a rien pété. Avec notre front. Moi, je savais pas. Pas sûr que ce soit là au final. Parfait. Ah il s'est enfui. Nickel, on l'a même pas tapé une fois, il s'est barré. C'est là où je suis là. Bah t'es pas loin en tout cas. C'est rigolo que le Nergigante il s'est soit dit bon allez je me casse. Alors qu'on l'a même pas tapé une fois. L'objectif de quête un peu frauduleux, quoi. Ta tête là, il y a une montagne à faire tomber. Ouais, mais j'ai rien pour tirer. Bah, si t'as des pierres, il t'en donne 20. Ah, non, j'en ai pas. C'est moi. Ouais. Moi, j'étais pas dans le truc hein, de base. Du coup, là, je l'ai pas. Mais il est là derrière le cœur. Non, il est là, il est en train de taper dessus. Bah! Là t'as des pierres de Zora Magdaros là. Je sais pas si tu les as pris, je sais.
J'espère que oui. Lol. Ok, nice. Ton animation elle est un peu buggée, gros. Bah en vrai, vu comment je spam, ça m'étonne même pas. Mais bon, là j'ai des pierres. Là. Écoutez-moi tous. Y'a rien à faire péter. C'est bientôt l'assaut final. Chasseurs, affaiblissez le Zora Madaros au maximum. Tous les moyens sont bons. C'est notre dernier. Bah écoute, c'est un monstre de lave, je te propose de le pousser. Y'a encore un quart de magma au milieu. Tout est perdu. Oh. Nickel, je me suis fait. Ah, ouais, mais c'est bien, moi j'aime bien cette phase de gameplay. Alors je sais pas si je le touche de là. Bah on a plus de chat par contre pour nous aider. Il est là mon chat. Ah bah t'as de la chance. Bouc, 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 bouc. Ça touche. T'as pas de chat à côté de toi. Si, si, il touche. Mais il était là il y a deux secondes. Il est là-bas, il y a Archasco et il y a Farou aussi. Moi je vois pas. Ils sont tous les deux là. T'entends le Macarena dehors? Non, je l'entends pas. Mon micro s'active pas malheureusement. T'as mon voisin qui met. Hey, Macarena! C'est clair que zinzin. Ouais. Les voisins sont zinzin, quoi. Bouc! Il a pris deux volets de 180 dans la bouche, là. Pas très beau mec. Essaye de pas le vexer. Bah, il m'a craché de la lave dans la bouche. T'as vu un crachat de lave toi aussi? Non mais là je vais l'avoir. Ah il a détruit mon canon. C'est à ça que servait son crachat quoi. Il va bien encore ton canon. Moi j'ai détruit une partie du Zora Magdaros. J'ai détruit une partie. Excuse-nous. Excuse-nous Jean-Michel. Excuse-nous, t'es tout seul à tirer. Bien. J'ai détruit sur mon tir. Excuse-nous. Bon tir. Bah, je suis tout seul à tirer. J'ai détruit. J'ai détruit, j'ai tué, j'ai dépecé, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. En tout cas, celui-là, je le dépece. Merde. Drake à la con, ça m'embête là. En tout cas, moi je te dis, hein, pour être à 10 cm de sa gueule, il pue de la gueule. Genre là, le truc qui peut pas tout casser, genre d'un coup d'un seul. Oh, il est un peu mou. Ta gueule. Wow. Il est un peu mou le bousin. C'est bien, t'as pas ton chat mais t'as un esclave humain toi. Ah ouais, je le vois Chasco. L'esclave humain il va te mettre à bouler dans rien.
En même temps, regarde la vie du barrage. Hein. Je pense qu'on a littéralement une heure devant nous avant qu'il le détruise. Attends, après, c'est que du bois. C'est vrai que en termes de force de frappe, j'ai l'impression qu'il y a un arc pour le machin. Non, mais je viens de sauter. Ah, bien joué. Je suis dans l'eau. What the fuck? Non, ça, le jeu a compris que t'avais fait une erreur. Quoi. Ah, il a tiré au-dessus du pont, il l'a pas vu quoi. Ah, c'est marrant parce que personne a tiré alors que le truc est chargé à fond. On comptait tellement sur toi. Hop là. En fait, attends. Mais non, mais là, il est dans la sauce gros parce que le gros. Parfait. Il faut donner le coup de grâce. Non mais il faut donner le coup de grâce, j'ai l'impression que c'est bon. Hein. Le Dragonator, ça te dit en fait, rien tu sais qu'il y avait plus simple, il y avait des gros harpons. On parle de ça. Et voilà, dans ta grand-mère. Tu sais, je m'en souviens du Dragonator, il faut en mettre 25 dans les trucs qui dansent dans le ciel. Et là, 1. Et là, tu faut quand même lui mettre 8 bombes nucléaires, on rappelle. Oui. Oui, on peut dire. Re Alexei. Alexei. Re à quelle heure? Re à toi-même, quoi. Ah, pardon, c'est Alexei. Oh, je suis tellement beau. On a réussi! Ouais! Bien joué! C'est fini. Et ça n'aura pris que 40 ans. Oui. Grand-père. Bon. On rentre à la maison. Genre en fait t'es comme un bateau mais tu sais qu'il va dans le sable. Et genre pareil t'as des armes comme ça que tu vas tirer et tout. Tu peux prendre des one shot. Un est terminé. Qui a dit ça? Dans le chat. Alexei. Bannissez les modos. Bannissez-le les modos. C'est vrai que t'es mort encore. Je suis mort? Bah oui. Ah ouais, non mais je suis tombé une douche, je me prends une boule de lave dans la gueule. Tu meurs dans le tuto quoi. Je suis vraiment une grosse merde. Pourquoi tu diras pas que t'as fait chouer une mission parce que t'es mort deux fois? Bah la mission d'avant, t'es mort combien de fois? Deux fois, mais est-ce qu'elle a échoué? Non. ouais. Si on prend les 3 ou 4 dernières missions, y a que toi qui meurs. Bah ouais, mais c'est hey, comme ça. Où est-ce que tu es? Moi, je vous prends une tasse de pupute. Ah oh bah. Ça me critique parce que je meurs deux fois, une fois. Non, et... non, je critique pas. Si, tu critiques, mais tu cliques, t'es une catin des bois. Non, je critique pas. Si. Non. Et. Eh bah, je critique, et alors? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Putain. Bordel de queue. Non mais on va bientôt rentrer dans la vraie phase de jeu quoi. Voilà l'assistante sexy. Eh hey, t'as vu l'assistante, elle a plus la même tenue d'ailleurs. Non, bah l'événement il doit être terminé, elle a plus le maillot de bain, c'est vrai. Mais attends, je vais lui mettre. Je vais lui mettre dans le cul. Non, calme-toi.
Tu ne peux pas mettre des choses dans ton assistante. Aller au désert des termites. Oh. Encore ce genre de quête. Ça, c'est l'enfer. Un peu, ouais. On peut toujours pas faire de nouvelles armes, non, c'est chiant. Bah, ils ont. Enfin, il a expliqué tout à l'heure, Alexei. Ouais, mais je sais qu'il faut améliorer, mais je m'en fous. Dans l'autre jeu, faire plein d'armes différentes. Là aussi. Plein de skins différents. Là aussi, en fait. Non, parce qu'en fait, tu fais juste l'améliorer. Mais le skin, il est dégueulasse, gros de ma masse. Non, mais ta masse, tu peux l'améliorer en plusieurs types après. Je propose qu'on fasse d'abord un tour. Mais là, ma type, elle est déjà. Mon arme, elle est déjà bien. Hein. Non, mais je veux dire. Oh. Comment t'expliquer? En fait, ce qui me gave, c'est que genre, je dois passer par l'os, par exemple, pour juste changer la pelle de skin. Mais moi, je veux carrément une autre arme. Pas juste. Regarde, tu vois, par exemple, la masse du Zora Magdaros, gros. Bah, c'est un autre skin, quoi. Elle est carrément en lave. D'ailleurs, elle a l'air plus forte que celle que j'ai. En parlant de ça. Envoyez. Possible. Bonus de défense plus 20%, gros. Affinité moins 20%, par contre. Ah ouais, d'accord. Bon, peut-être pas intéressant. Moins de critique, quoi. L'affinité, c'est le critique, il me semble. Du coup, bon, c'est quand même bien d'en avoir. Hein. Oh, il y a. Pampa de FF7, là. Enfin, de Final Fantasy, pardon. Mais il est en train de me tuer, le Pampa. T'es parti dans le désert, toi. Oh, je suis mort. Tout va bien? En cas de coup dur, utilise ta fusée d'alerte pour appeler d'autres chasseurs à l'aide. Tu dors, Clarence? Tu dors, mon ange? Tu dors, ma princesse? Tu dors, ma rosace de bois? Tu dors, mon pédicule? Mon pédicule. Magistral, allez, ça se moque. T'as vu, il pue la merde. Non mais gros, à aucun moment je pouvais me douter de ce qui allait se passer. Qu'est-ce qu'il faut faire, ouais? Je sais pas, il faut explorer le désert. Bah j'ai déjà tout exploré. Bah il doit y avoir un truc de nouveau. Putain, j'aurais dû aller dans le camp 11 avant. Œuf d'herbivore. Attends, est-ce que je peux livrer des œufs sans avoir pris de la quête pour livrer des œufs claqués? Je sais pas. Bordel. Mais je dirais que non. Mais après, ce n'est que mon avis. Du coup, bah, un peu de ton cœur. Moi, je pense qu'il faut essayer. Oh, il est pas cassé, mon œuf. Ok. Tant pis, du coup. Je sais même pas après quoi on est venu. Enfin, je sais pas ce qu'on est venu faire en fait. Moi non plus, je sais pas. Je sais pas ce qu'on cherche. Le problème, c'est qu'aucun de nous deux n'a lu les dialogues. Je sens des grammilkis. Ah, je commence à trouver des trucs là, je trouve des empreintes. Ouais, moi aussi des peintures. Non, des empreintes de monstres. Ah oui, il y a des peintures aussi. Et les deux.
Le Diablos il se balade. Je comprends pas ce qu'on doit faire. Bon. Tu as trouvé les empreintes là, je suis dessus, hein, vieilles empreintes, etc. Et dès que tu auras fini de trouver les. De remplir la barre des vieilles empreintes, bah. Ça va te montrer où est le monstre. Tu l'as pas trouvé avant quoi. Et pareil, il faudrait que tu remplisses la barre des peintures. Super chiant comme mission. Pourquoi ils nous font faire ça? Mais c'est pas la première fois qu'on fait ce genre de truc. Juste d'habitude on trouve le monstre rapidement. Ouais, je comprends pas l'intérêt de nous faire faire ça genre. L'exploration. Oh, c'est ce que je viens de dire. Je vois pas l'intérêt. Non mais c'est chiant. Bah en vrai, ce serait moins chiant si on était deux. Ça fait pour des kills là dans le chat, sérieusement. Moi. T'es pas dans le chat. Ah, je suis le roi du chat. Non. Si. T'es le sous-fifre du chat. Non, je suis le roi de mon propre chat. Ah, mais c'est peut-être là. Dis-moi la zone avant de faire quelque chose, s'il te plaît. Là, je suis en zone 6. 6 ? Ouais. Ok. Ouais, non, c'est pas là. Mais dans tous les cas, je sais que c'est pas loin d'ici, vu qu'il y avait plein d'empreintes ici. Indice zone 2. C'est un gros indice, je trouve. Non mais c'est dans... Je pense que j'ai trouvé, c'est où? C'est en fait... c'est sur la gauche de la map mais au sous-sol. Enfin au deuxième étage, c'est la zone de haut. Parce qu'elle commence à me parler là, l'assistante là. Ah, l'assistante elle est là. Bon, ça fait longtemps que vous êtes en quête là, du coup je vais vous aider. Madame, en fait je suis dans la zone 2, elle me dit oh regarde ce qu'on a trouvé tout ça. Ah, les traces d'une racine. C'est impossible. Quelque chose ne tourne pas rond. Ça alors? Vite un peu ça. C'est bien un pouquet. Il se comporte de façon étrange. Qu'est-ce qui lui arrive? En vrai, je sais pas. Nouvel objectif. Nous devons chasser ce pouquet. Ah, ma bouffe elle a plus d'effet quoi. Du coup je prends tellement cher. Fais attention. Tu te bats? Ouais, avec un pouquet. C'est dans la zone 2 hein. Je viens de dire dans la zone 2. Ah, y a, normalement t'as une trace de Rassian par terre. Tu cliques sur la trace de Rassian. Bah ouais. Et après bah t'as un Pouquet qui vient t'agresser. Thank you.
Mais... Oh, il m'a tué le Pouké Pouké. Oh. Deux fois que je meurs quand même sur cette quête à la con. Le savoir est la meilleure arme. Il faut le buter le Pouké Pouké. Pense à te renseigner sur tous les monstres en consultant le bestiaire. Ah, vraiment, okay. Quand j'affronte des monstres ultra balèzes, tout se passe bien. J'affronte un petit caca, je meurs quoi. Plus le monstre est faible, plus je suis nul. Mais il se barre déjà. Je suis sur la queue du Pouké Pouké. Je la plante. Je savais même pas que tu pouvais monter sur la queue d'un Pouké Pouké. Rien, un coup d'œuf ? Oui. Il y a des chances qu'il tape plus fort que ce qu'on a affronté avant. Quoi? De quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Full life, il est allongé par terre, ça m'a mis, vous êtes KO? C'est quoi cette sorcellerie là? Allô? Le jeu. Ah bah là c'est vénère. Wow. Genre il a allongé. Non mais. Ah là je comprends pas. Sans commentaire. T'es pas encore mort? Ouais. Mais gros mais. Je vais manger. Par contre le Pouké Pouké tu sais qu'il m'a vraiment mis au one tap hein. Alors qu'il était couché par terre. Bah c'est les monstres plus hein. Ah bah là c'est même pas justifié genre. Welcome to Tuto 2. Ça a commencé à se sentir hein, qu'on a pas d'armure hein, quand même. Quelle heure? Bah, si on a une armure. Elle est nulle notre armure. Ah non quoique en vrai elle est forte, on a aucune excuse en fait. Je cherche pas d'excuse moi. Hmm? J'ai pas cherché d'excuse je crois. Non. T'as dit que tu t'es pris un one tap. Bah ouais, et du coup. Toi t'es mauvais. Ouais, je suis pas mort trois fois. Tu es mort tué par un pampa. Ah tiens, je bloss. Tu es mort tué par un truc qui est pas cet univers là quoi. Moi je suis. Là y'a Baroque qui me suit par contre. Y'a un monstre de Final Fantasy qui m'a dit bonjour, je suis mort. Il y a des pampas dans l'univers de Monster Hunter. C'est quoi les pampas? C'est des oiseaux? Non, c'est les monstres cactus. Putain, Pouké Pouké, il est largement le temps de se faire. Sortir c'est de la regarde. Je l'ai bien sorti hein. Tu l'as bien sorti c'est. Arrête. Je vais te la remettre.
Arrête, calme-toi. Lâche cette queue. Ah mais en fait y'a des petits chats à côté de moi qui me tirent des projectiles qui moins le tap. Enfin mais d'accord, je viens de me faire moins le tap par les petits chats gros. Non mais c'est une singerie. Les chats ils sont pas là pour t'aider? Bah non en fait c'est des chats avec des masques. Ouais ouais y'en a un là pas loin. Bah écoute tu m'en... Mais j'ai pas l'impression qu'il m'attaque moi. Bah si il tire des projectiles explosifs. Le Pouké Pouké il s'explose pas si. Non. Ça tire que du poison, non? Merde, j'ai mis une gifle à mon micro. C'est drôle. Ça m'a régalé, perso. J'ai pas l'impression qu'il m'attaque, moi. Mon Pouké Pouké à moi est mort. Ah, GG. Tu peux mourir autant de fois que tu veux? Oui. Heureusement, sinon j'aurais échoué la quête. C'était limité à 3, je suis mort 3 fois, tu vois. Il y aurait eu un échec de la quête, quoi. Je suis vraiment heureux que ce soit pas limité. Si, ils sont hostiles. Ok, bah du coup, oui, ils t'ont attaqué, hein, du coup. Lève-toi, lève-toi. Esquive. Tout le monde est là? Bien. Dans ce cas, commençons sans plus attendre. Depuis que nous avons résolu le mystère des dragons anciens, notre équipe sur le terrain a fait d'étranges découvertes. D'après les chasseurs, il semble que certains monstres quittent leur habitat naturel. Ils se mettent à envahir d'autres territoires. Pour ne rien arranger, de nouveaux monstres plus puissants ont soudain fait leur apparition. De nombreux chasseurs ont déjà été blessés, certains très grièvement. Je crois que la 5e flotte a d'autres infos à nous communiquer. En effet, on a récemment découvert des traces étranges dans le désert des termites. Je dirais qu'elles ont été laissées par une Rassiane, mais je ne suis pas complètement sûre. Il y a des similitudes comme la taille et d'autres traits caractéristiques, mais quelque chose ne colle pas. Les monstres deviennent plus puissants, et une nouvelle espèce aurait fait son apparition. Je doute qu'il s'agisse d'une coïncidence. Que voulez-vous que nous fassions, commandant ? Notre boulot. Nous formons une commission de recherche. Alors cherchons. Nous avons deux priorités. La première, c'est de s'occuper de ces monstres. Je vais envoyer nos meilleures équipes dans chaque zone. La deuxième est d'examiner les traces trouvées par la 5e flotte. Explorez bien la zone et recueillez le plus d'informations possible. À vos ordres, commandant. On ne vous décevra pas. Soyez extrêmement prudents. Ces monstres semblent particulièrement redoutables. Vous pouvez disposer. À la recherche d'une Rassiane. Sillonnez le continent à la recherche d'indices. Rassiane ou pas, il faut trouver ce monstre. Écoute-moi. Écoute-moi, oui. Oui, je vous écoute, monsieur. Il va falloir trouver des écofacts de notre monstre mystère. Explorons chaque région. Tu peux partir en expédition ou accepter une quête libre. À toi de voir. Ah, ça c'est bien ça. Du coup, en attendant que tu termines, je vais démarrer une quête. Ah bah c'est des sales bêtes, hein, ces trucs. Hein. Oui.
Là, c'est les monstres plus, hein, du coup, c'est délicat. Hein. Mais ça veut dire que t'as accès aux armures niveau supérieur, tu vois. Du coup, c'est bien ça aussi. Nouvelle quête. Ah. Moi je pense qu'on peut faire ça. C'est bon, il est mort. Très bien, bah je démarre une quête, comme ça on va se lancer dessus à deux. Et tu peux rejoindre. Ouais ouais. Fais-le, c'est important. Je nous ai remis sur un Poké Poké. Oh génial. Ouais mais comme ça on va pouvoir faire son armure au complet, tu vois. Tout va bien avec ton équipement. Ah c'est vrai, il y a les joyaux, ça y est. Mon actuel. On va mettre deux joyaux dessus, ok. C'est quoi ça? Ah c'est le truc du gardien, ok. Expert. On a rien pu avoir là. T'es pas considéré comme un monstre plus du coup. Le truc qu'on a battu il y a deux secondes. Apparemment. C'est quoi? Le monstre qu'on a battu dans la quête, je sais pas si c'était considéré comme un monstre plus ou pas. Mais en tout cas, je vois pas le... Pouké? Ouais, je vois pas son stuff si, en si. Tout cas. Si, si, c'est un monstre plus. Je sais pas pourquoi je vois pas son stuff du coup. Fait comme d'habitude, je choisis une quête, t'en choisis une après. Ouais, si tu veux. Parce que là, ça parle. Ouais, je me tais. Non, mais c'est bon. Ok. À la recherche de Razian, entreprenez des expéditions et des quêtes libres de niveau expert pour trouver des écofacs de Razian. Pourquoi Razian, c'est les boss de fin, en fait. Non, mais c'est juste un monstre plus. Ah, ça y est, on a développé le RC, genre tu peux booster ton RC. On a encore la même mission, toi et moi. Livrer les objectifs requis, je comprends pas ce que c'est ça. Ça bosse dur. Bonne chance. Dès qu'il y a une moto qui passe dans ma rue, tout le monde l'entend, quoi, c'est une dinguerie. Bon, heureusement, il y a pas beaucoup de passages. Wow, les belles larmes du Poké Poké améliorées. Ah. Tu l'as vu ma quête ou pas que j'ai choisi? Ah, je suis pas dessus, je suis à la forge là. Du coup, je disais l'arme du Poké Poké améliorée, elle est trop belle, gros. C'est promis, hein. Ah, je t'avoue, je l'ai pas vu. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Ah, si, il y a tous les trucs, gros. On peut même faire déjà de la rareté 6, on peut faire l'armure du Zoro. Ouais, le Zora Magdaros, oui, je le vois. Ouais, mais c'est la même armure que sur... Que dans... Comment dire?
que dans... Tu sais, genre, tu comprends ce que je veux te dire. Compliqué, je t'avoue. Tu comprends pas? J'aimerais faire semblant de comprendre, mais... Bah, tu sais... Oui, je sais, t'inquiète pas. Non, tu sais pas. Non, je sais pas, mais laisse tomber. Mais en fait, ce que je veux t'arriveras te dire... jamais à finir ta phrase, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. Après, essaye, hein, c'est la même armure. C'est la même armure que quand on a tué là les monstres trop beaux qui volent dans le ciel, et en fait, tu regardes leur stat. Ah, mais je vois ce que c'est tu veux claqué dire. Au sol. Mais en fait, pour moi, elle est bien parce qu'elle me donne quand même plus de 270 en explosion, quoi. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Je crois que mon arme, elle est basée sur... L'explosion. Les explosions. Bienvenue, chasseuse. Mais en fait, ah ouais, il y a encore les points de talent. Oh lolo. C'est ça. Mais bon, l'arme, elle te donne plus 20 de protection en feu. Moins 15 en eau, moins 5 en foudre, moins 10 en glace, moins 15 en dragon. Genre, tu me fais one shot partout, quoi. Bah, c'est très ciblé, on va dire. Si t'affrontes un monstre de feu, t'es bien. Ouais, tu boostes un peu les boules de feu, quoi. Bah, c'est bon, moi je suis prêt, je t'attends. Hein? Ce qu'on doit faire, c'est trouver un Pouké-Pouké et le tuer. Et on a une quête subsidiaire qui consiste à trouver des traces d'une Rassiane. Voilà. Ok, mon boy. C'est bizarre, j'entends déjà un gros bruit. Mais ce jeu, par contre, niveau map, il est quand même mieux que les maps de Rise. Oui. Pour être franc. Oui, c'est les maps, elles sont mieux travaillées largement. Il y en a moins aussi. Ouais, mais il y en a peut-être moins, mais elles sont quand même plus travaillées, quoi. Genre, on sent qu'il y a eu un vraiment investissement. On réfléchit sur la verticalité. Et ça, c'est intéressant de fou. Même si dans Rise, tu peux monter, genre, c'est encore plus fluide, quoi. Oui, tu montes plus facilement. J'ai trouvé un truc sur la Rasiane. J'ai trouvé un truc sur la Rasiane, gros. C'est bien joué, ça. Enfin, quand ça devient rouge, c'est qu'on m'attaque, ça, c'est ça. Oui. Tu le trouves? Tu as trouvé quelque chose? Non. Je te vois faire des 3-6 sur la carte, c'est normal? Oui, parce qu'en fait, je vais là où il y a les lumières vertes, et les lumières vertes me disent « Va derrière, va devant. » On a un nouveau point de talent de notre bestiole. Genre là, livraison de Vita Gap, moi, par exemple. Il vient me livrer le quand je veux du... Le là. Et où? Là, devant moi. Bon, il est là, lui. Attends. Oui, il a l'air grand, il est... Je vais lui présenter nos... Il est musculeux, celui-là. Un peu de la Rassiane. Je suis dessus claqué. Vas-y, découpe-le. Il y a un truc derrière, non, il n'y a pas d'autres monstres. Oui, il y a 3 monstres. Hein. Il va y avoir une guerre mondiale dans pas longtemps. Attention, quelqu'un va tomber. Oh, mais là. Bon, là, c'est compliqué de profiter de sa chute. Hein. Je peux dépecer des monstres. Oui, merci, assistant.
l'assistante qui est en retard légèrement quoi. Ah, c'est un peu n'importe quoi là. Ah oui. Moi j'ai mis ma cape là. Moi je me désolidarise de ce combat. Moi je vais aller dépecer tout ça là. Ah, il t'a vu malgré ta cape, hein, fais gaffe. Ta cape elle est plus active là. J'ai pas de cape, j'ai pas de cape. Ah, c'est peut-être pour ça. Alors, en tout cas, si ça peut te rassurer, tomber. Sache que. Oh, bien joué. Je suis seul à taper, ouais, je sais ça. Le Ranjana est vraiment chiant. On l'a jamais tué ici? Si, si, on l'a tué. Ah non! Ah non, on l'a jamais tué, je crois. Bah non, on l'a jamais tué. Bah si, non, on l'a tué une fois au début. Attends, il est parti le Poké Poké. Hein. Mais de toute façon, ça c'est un Ranjana plus, je pense. C'est pas le. Oh, qu'est-ce qu'il a là, putain? Il est un peu collant en effet. Hein. Non mais il casse les couilles, gros! Bah, il nous aime bien, quoi. C'est quoi la route pour venir avec toi là? Je suis perdu. Bah, en fait, je suis perdu parce qu'il y a putain de T-Rex qui est one shot. Le T-Rex il donne bien. Non, mais je voulais pas partir, il me bloquait le passage. Non, mais le T-Rex c'est de. Non, il est pas de retour. Non, ça va, il nous a laissé un peu tranquille. Il m'a one shot par contre. Hein. Je sais pas pourquoi je me fais one shot comme ça, c'est la. C'est quoi, c'est l'armure peut-être. Ouais, peut-être. Genre. Parce qu'en fait notre item il est bien parce qu'il donne beaucoup de résistance mais genre l'armure 22 c'est beaucoup. Non c'est pas beaucoup. Mais après tu peux l'améliorer hein avec les. Tu sais les requêtes que tu fais qui donnent des effets d'armure là. Ouais ouais ouais. Ouais t'en as fait beaucoup. Ah dommage hein. Pas faute de t'avoir dit de le faire depuis le début. Bah tu peux améliorer ton voilà. Stuff avec ça. C'est un traumatisme. Il me course. Encore ? J'ai un grand jeu grâce à toi derrière moi. Moi c'est moins grave que le Ranjana. Bon c'est quand même chiant. Bah ça dépend combien de temps il te suit. Il va tout mort en plus le petit. Oui. Ah nous des Pouké Pouké. T'es bien éclaté là, vous faire moi, je peux éclater la seconde. Alors, hein? T'as vu, je sais m'amuser moi aussi. Mouche! Oh! Il y a eu un dégât collatéral, j'ai l'impression. Oh comment t'as volé? Oh je t'ai vu voler. Ah mais à chaque fois hein. À chaque fois que tu me mets un coup c'est décollage. Désolé. Je change de map hein. Et genre ta caméra elle vole aussi genre? Ou ça suit mal? Bah disons que je me vois voler quoi. C'est déjà pas mal. Le Pouké Pouké, là. Ah, Wild, le prochain jeu aura des maps deux fois plus grandes apparemment. Ah oh, c'est bien. Déjà que tu te perds dans une map qui fait 50 mètres carrés quoi. Bah après ça dépend comment elle est faite gros, dose. Ah si c'est tout plat je pense que tu peux pas te perdre. Bah en vrai, qu'il y ait de la verticalité ça me dérange pas. Pour être franc avec toi finalement... Même si en vrai je suis mal placé pour parler de sens de l'orientation, là je suis perdu. Bah faut que tu descendes. Ah et putain il s'est mis le Angel Nat encore. Oh il recommence. C'est 17, non c'est la zone 6 qu'il faut que tu viennes. Ah là 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 là. Mais ça c'est à cause des trucs de fées hein. Mais moi je t'avoue je désactive mon cerveau et juste je suis les trucs verts. Bah là y'a rien de se régaler le cousin. Bah empêche-le de manger.
C'est vrai qu'il est, il était rouge, là il est jaune. Hein. C'est-à-dire il a récupéré beaucoup de PV. Hein. Il était mourant, là il l'est plus. Je vais m'en occuper. Il va bientôt y retourner. Tu me fais pas mal, bâtard. Oh, coup, je suis stun. Oh, un coup, je suis stun. Non, mais lol. Ah, je peux quitter. Il va dire que le mérite, c'est lui. Grande salle, grand pont, allez hop. Bon, bah j'ai choisi la quête et tu choisiras non. La prochaine. Non, mais t'as quitté le groupe aussi. Fais quand avec le groupe actuel? Ouais, c'est ce que j'ai fait. T'as bien fait de le dire, hein, parce que je l'avais pas vu. Hein. Regarde qui vole. Ah, regarde qui vole. L'inspecteur Gadget. Ah, y'a un truc de Racine à côté de nous. Merde. Dans tous les cas, YouTube, merci et à bientôt pour la suite de notre aventure sur Monster Hunter World. Au revoir.